Allez Nice, t'inquiète, on est arrivé. Vous inquiétez pas les gars, c'est bon. On est rentré. Bah maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir. Et bah après on va retourner. Tac tac tac. Tout ça, je pense que j'y ferai en off peinard. Hein, explorer tous ces. Réexplorer tout ce truc, tout ce bordel. On va retourner du côté de ça là. De l'aire de repos. Je crois qu'il y a facilement deux chasses à faire, donc on va aller les faire tout de suite. Et après, on pourra enfin peut-être finir, bien ma foi, ce chapitre 1. Je sais pas. Est-ce qu'on dirait qu'il est super long, chapitre 1, mais en vrai, si vous le faites d'une traite, ça doit pas vous prendre plus d'une demi-heure, hein, à mon avis. Hein, je veux pas commencer à blâmer, mais. Go. Il m'a pas paru bien long, quoi. Yo. Bah écoute, plutôt bien, regarde, chasse terminée. Yes. Aucune nouvelle info, d'accord. Beauté sauvage, niveau 22, niveau 28. D'accord. C'est les mêmes trucs? C'est des anacs. Ok. Eh ben, je suis désolé, je ne suis pas encore assez qualifié pour les faire. Rien à manger que des cochonneries. Le mec, il dit ça juste à côté du restaurateur, tu sais. Le mec, il dit ça juste à côté du restaurateur, tu sais. Putain, c'est vraiment de la merde ce qu'il y a à bouffer dans votre coin, là. Allez, on va dormir un peu. Ça sert à rien de conduire de nuit, hein, on va les épuiser. Ça fait longtemps qu'ils ont rien mangé, hein, putain. Faudrait que je dorme plus souvent en campement. Oh ouais. Voilà, tous niveau 15. What? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Oye, Ponto! Le roi de la photo! Ah ouais, t'as appuyé au bon moment, dommage que ce soit mal cadré. C'est en fait ce qu'il a voulu dire, tu vois. T'sais. Ah, t'as appuyé au bon moment, hein. C'est bien, c'est cool. Putain, c'est pas mal. Tu sais, Inis, tu vois, il dit rien et tout, mais il prend quand même les poses sur les photos. Ah, c'est. C'est ce mec un peu trop sérieux, tu vois. Ok, alors là, c'est genre, j'ai perdu mon monocle. T'es, il l'a bien pris en photo aujourd'hui, lui. Alors, celle-là, je l'aime bien au niveau des couleurs. Le ciel, juste nickel. Par contre, y a rien à voir, quoi. Je suis en train de courir. Ah, il a pris le blob en photo. Allez. Non, je les conserve pas. J'en ai conservé deux et puis c'est bon. Ok. Ohayo. Ah. Ohayo. Conduite automatique. On va retourner ici. Voilà. On va y aller directement, même si. Pff. Il y a des fois, je me dis, est-ce que le temps de chargement est pas au moins aussi long que si on y allait en bagnole? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on fait le contrat de chasse. Après, on retourne voir l'autre. On lui donne ses putains de pierres précieuses. Et après, bah, je sais pas ce qui va se passer. Nocta, Crow's Nest, il connaît. Mata junk food, ka. Karada ni mo warui shi. Alors, où sont les contrats? Là-bas. Putain! Oh, la bagnole, comment elle a foncé? Meurs de faim, moi! Bonjour, je voudrais servir mes clients, mais je vais te parler d'abord. Bim! Oh putain! T'es le meilleur, mon gars, je te l'ai déjà dit.
Pour s'être à la hauteur, oh, un truc de niveau 14, ouais, ouais, carrément. Un ennemi amorphe. Ah, c'est encore un putain de flanc qui apparaît la nuit. Bien pour la première fois, je vais attendre. Parce que là, j'ai vraiment juste envie de me le faire, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Eh, bonjour, madame. Ou devrais-je plutôt dire mademoiselle? Ah là là, je prends le corbeau en photo. Allez, go. Bon, il est pas ultra loin, le truc. Il y a 5 flancs à tuer. Cette fois, ça ne rigole plus. On a tué un gros flanc tout à l'heure, maintenant on a 5. Donc pour moi, c'est même plus dur, finalement. C'est le niveau recommandé, il est légèrement plus bas, mais non, c'est... Ça va être la merde. J'entends comme un bruit de cet animal sauvage. On est parfaitement safe ici, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Hop, il y a un coffre, on va aller le prendre. Tant qu'à faire. Putain, comment je fais pour passer de l'autre côté, moi? Torque vert, j'en ai. Fais voir un petit peu. Ah ouais, c'est ça. Allez. Putain, que des missions de nuit, c'est chiant. Trop peur de... Jamais de pause. Allez, une petite pause. Non, pas de pause. Feignant, là. Allez. On va aller taper du flan, puis après on va manger un flan. Ouais, je dors à un campement, comme ça on bouffe un truc là. Parce que je crois que ça fait 3 jours qu'ils ont rien bouffé. Ça fait depuis le début de la session en fait qu'ils ont rien mangé. Donc non, deux nuits. Hop. Ok. La bête, elle est par là. Je repense à cette scène de Astérix. Excusez-moi, la bête, c'est bien par là? Alors qu'il s'adresse justement à la bête. Hé, hey, pour y répondre quand je vous parle. Bah alors. Ah putain. Allez, ils sont juste là. Bon les gars, va falloir la jouer fine. Tactique. Putain, ça leur fait rien. Ok, on va y aller à la dague. Dague, ça leur fait rien non plus. Ils sont résistants à tout ce que j'ai. Oh, c'est l'abus. Ils sont tous secoués. On tombe, petite balle. Bordel.
c'est pas du tout ce que je vais faire. J'ai peut-être sous-estimé ces petits bonhommes. Je vais utiliser un atout. Aïe. Dégagez le passage, les gars, je vais utiliser de la magie. Heureusement que j'avais un peu d'électricité sur moi. Et je pense que je vais m'en resservir tout de suite. Ça va, les gars? Bon. Comme ça, on en a tué quelques-uns. Pronto, il est dans la merde. Gladiolus aussi. Allez, il reste deux gros flancs. Allez, venez les gars, venez, venez, venez. Gladiolus, si tu restes là, tu vas te prendre un petit coup, Jules. Oui, s'en va. Hein. On va se battre comme des hommes alors. Combo. Ok. Prompto, balle perçante. Ah merde. Putain. Oh, ce combat. Attaque de dos. Vulnérable. Allez, on y est, on y est. On lâche rien. Combo. Non. Il était mort. Merde. Un petit coup de main, les gars. Merci. Chasse réussie. Bien joué. Oh, je sauvegarde immédiatement. Le combat était dégueulasse, j'en ai rien à foutre, c'était intense. Heureusement, encore une fois, la magie m'a sauvé. J'ai arrêté de compter combien de fois elle m'a sauvé la vie, cette magie. Ouais. Ouais, bon, bah alors, c'est le moment de se barrer, les gars. C'est le moment où le... l'artiste quitte la scène. J'aime bien Anis. Analyse. Non, mais ça sert à rien de l'analyser. On ne le fera pas. Il peut vous one-shot. Prompto est mort.
Ah non, non, là on va se tirer. Putain, y'a pas de campement. C'est pas que j'ai pas envie de retourner ici pour dormir, mais c'est que j'aurais bien aimé dormir à un campement un jour. Tant pis. Les campements, de 1 c'est gratuit, de 2 tu manges. Donc c'est quand même relativement bénef quoi. Mais tant pis, on dormira pas cette nuit les gars, je crois qu'on n'a pas le temps pour ces conneries. À la limite, on peut se téléporter, je crois, au dernier campement. Et vu qu'il est à la plage, dernier campement où je suis allé, me semble. Non, non, il n'était pas au campement. Eh si, 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 parce que je suis pas allé. J'ai pas utilisé l'autre campement, donc. Ouais, on verra bien. Et je sais déjà où j'en suis. Et qui suis-je, où vais-je? En tout cas, j'aime bien ces petits combats, ces petits contrats de chasse et tout, c'est plutôt sympa. Ça, c'est ce que j'appelle de la bonne petite quête annexe. Tu vas te faire une bonne grosse créature, ou plusieurs. Là, c'était quand même tordard, hein. Putain, plusieurs blobs de 14. Ouais, c'est bon, là, on est sur la route, on est sauvés, les gars. Rien ne peut nous attaquer sur la route, nous sommes indestructibles. Espèce de bouviette. Putain, t'imagines tout ce qui marche par jour? Je sais pas s'il y a une stat comme ça. Où tu sais, tu vois combien de temps tu as marché. Combien de kilomètres tu as parcouru en marchant, c'est énorme. Peut-être Square Enix chez eux qui peuvent voir ça, nous peut-être pas, mais... Et de retour, on a failli crever, mais tout va bien. T'as ouvert toute la nuit quoi, 2h du mat, c'est toujours là. Salut. Yes. Putain, tout ce qu'on gagne. Ah, vous devez être affamé. Ouais, tu lis dans nos pensées. Crustacé capricieux. 3 pinces boucliers. Niveau recommandé 18. Ouais. On va pas y aller, hein. Mais on sait que si on atteint le niveau 18 par là, faut qu'on revienne ici. Je me demande comment ils peuvent gagner leur vie dans ce motel, il est toujours vide. Ah, les enfoirés quoi. Ok. Alors le dernier lieu de repos, ouais non, c'est bien la Mered. En fait, c'est le dernier lieu de repos, d'accord. Allez, on conduit de nuit un peu, hein. On a marre. On a marre de ces conneries, les gars. Yodoshi de tsukare mo tamatta daro. Kono hen de ichido kyūkei shiyō. Bah, faisons une pause alors. Ah, kyūkei suru ka. Putain, les mecs, c'est pas des braves, hein. Personne conduit de nuit. Oh là, vraiment. Bon, bah, allez, dormons. T'as 300 balles la nuit, les gars, bordel! Mais bon, ouais, ça me coûte rien en bouffe. Ils ont pas mangé depuis 3 jours! Oh les pauvres quoi! Umak toreteru na. Non, n'en fais pas ton métier. Non, non, non. Tu risquerais de te faire virer. Ah là, c'est pas mal. Blob. Ah bah t'as pas trop rigolé quand ils t'ont mis KO 3 fois. Hein. Oh putain. Oh, c'est couleur quoi.
Voilà, l'affrontement en blob. Ouh, pas mal celle-là. Ah, je vais peut-être la garder. Voilà, bon, il n'a pas pris beaucoup de photos, en même temps on n'a rien fait de spécial à part le combat des blobs. Ta-da-da-da. Ok, c'est bon, on peut repartir, conduite auto. Hop là, on va retourner voir lui. Bah conduit automatiquement, oui, jusque là quoi. Ah ouais, putain, par contre... C'est bien que je revérifie l'essence quand même, hein, parce que... Ok, bon, il reste encore de l'essence, mais faudra quand même que j'aille reprendre... Je sais pas à quel moment est-ce qu'il faudrait que je me considère être en danger de... d'essence. On va voir. Qu'est-ce que tu regardes là-dessous, toi? Eh, d'accord, petite canette, on se met bien. Voilà, porte-canette, nickel. Elle est pas belle la vie, bon Dieu. Donc tu as juste de boire une gorgée, t'as bien soif. Putain, c'est con qu'on puisse pas mettre la radio de nous-mêmes. Attends, menu de la régalia. Ouais. Braver. Ouais. Alors ça, à mon avis, c'est... J'ai pas trop envie de... Ah, attends. Voilà. Ah, mais si c'est tout sous droit d'auteur, je préfère... je préfère pas, tu vois. je préfère passer toutes des musiques sous droit d'auteur. À la limite, le seul truc, attends. À la place de tout ce qui est Kingslave... De Broverwood. Putain, il y en a bien des musiques. Il y a autant de musique pour 5 épisodes de 10 minutes. A Justice Monster 5. Final Fantasy 1. Putain. Ah, Final Fantasy 7. Ah, on est arrivé. J'ai toujours peur que ces musiques soient sous droit d'auteur et après je me fasse chier. Parfait, je vous remercie bien. Pourquoi est-ce qu'il s'est garé là, ce con? Approcher la régalia de la pompe à essence. Merde! Quoi, tu es sérieux, il n'y a plus d'essence? Bah, c'est pas que je veux pas, mais il y a une pompe à essence ici. Bon, on est pas en panne. C'est lui qui s'est garé là. Attends, what? Ouais. Bon, on va la laisser là. Non, c'est pas qu'elle est en panne, c'est que j'étais à côté de la pompe, mais j'avais pas vu qu'il y avait une pompe à essence ici, en fait. Encore heureux qu'il y ait une pompe à essence de partout, parce que sinon... Voilà. Allez. Oh, remettre les pierres à Dino. Eh ben on va peut-être finir ce chapitre 1. Je sais pas combien de temps on aura pris pour ce chapitre 1. Je sais bien que tous les chapitres ne prendront pas autant de temps. Là c'est le début, j'explore. Et toujours ce putain de chat. Ça va, je t'ai donné du poisson. Arrête de me racketter maintenant, hein.
Bienvenue à Galdina, les gars. Donc toi... attends, remarque. Hey, salut! T'as pas des infos? Yeah! Merci. Pas d'autres infos... T'as des contrats? Niveau 17, putain! Des pins silex! Un crabe est un crabe, merde! Bon alors, est-ce que t'as des tuyaux pour un bateau, toi? On puisse un petit peu changer de ce décor désertique. Ben, j'ai pas... Regarde, non. Bon, je t'emmerde. Ah, t'es bien obligé, hein. Oh! Je suis accessoire de l'accessoire. Je vais vous faire un bon choix. C'est un peu de l'accès. C'est un peu de 王子王道してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報を君らがもらった金か。あれ、カンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿題にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。 そうそう。乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもう本当嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。よく食べたわ。 Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lui dire quand est-ce qu'on veut partir et on part. Le truc, c'est est-ce que j'ai envie de partir maintenant ou est-ce que je n'ai pas encore 2-3 petites choses à faire? Ben, le problème, c'est que je pourrais encore explorer. Franchement, je pourrais. Mais bon, peut-être pas en session comme ça avec vous. Il y a des... Dave, il a un endroit, je peux plus l'atteindre. Donc le problème, c'est en session comme ça, c'est peut-être un peu chiant de me voir faire que des... Que de la petite marche, des... Récupérer des trésors à la con. Je pense qu'on va peut-être avancer. De toute façon, il me faut des niveaux supplémentaires, et bon, c'est pas en tapant des mobs niveau... niveau 5 ou 6 que je vais me faire du niveau. Hein. Ok, allez, on va embarquer. 出発準備できたって? Vous ne pouvez pas revenir pendant quelques temps. Voulez-vous vraiment continuer? Ah. J'aurais aimé jouer en off avant. Je vais voir si j'ai pas autre chose à faire en attendant. J'aurais quand même aimé voir une mission de niveau 17 de chasse. En fait, ça dépend. Tu vois, si c'est... Là, c'est que des tués 3 et 7, putain. Toute heure. Allez, on va quand même essayer. Je veux voir ce que ça donne. Ils sont vraiment terribles. On va voir ça. Attention à pas vous blesser, hein. Non, t'inquiète pas, madame. On va quand même voir. Tu sais, j'aime pas quand un jeu me dit « Attention, tu pourras pas revenir tout de suite. » Ah non! Il faut encore que je fasse du farm. Il faut que je pêche, putain. Il faut que je pêche aussi. Putain, on va pêcher un petit poisson, tiens. Comme ça, après, je farme peinard dans mon coin, je fais tout ce que j'ai envie de faire là-bas. Et après, bah, je pourrais enfin quitter cet endroit. J'ai encore tellement de choses que j'ai envie de faire. Je peux pas partir maintenant. J'ai pas envie. Évidemment, les crabes sont toujours là-bas, quoi. Oh.
Allez, on va sauvegarder là. Un ennemi amorphe, le gourmet de Vanat. Bon. À mon avis, on va se faire poutrer le cul. À mon avis, hein, c'est une petite supposition. On va se faire péter. Alors, qu'est-ce qu'ils craignent déjà, les crabes? J'ai pas fait exprès, c'est toi qui te colle à moi là. On n'est pas une soirée cuir moustache ici, mec. Hein. Okay. Je crois qu'ils craignent rien, ces crabes de merde. Putain, ils sont un peu plus gros que ce que je pensais, ce que je me souvenais d'hier. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Sordana. Je sais pas pourquoi je suis toujours faire R3 pour les verrouiller. Boum, assaut Eclipse. Ok. Merde, Prompto. Bataille versus crabe. Viens à moi, crabe. Oh mais Prompto, je viens de te soigner. Wow. God damn it. On va se faire poutrer le cul, les gars! Et merde. J'aimerais bien trouver une cachette, les gars! Merci. Clips tactique! Prompto! Merde! Oh les gars, Prompto est mort! Bon, l'électricité, ça leur a fait quand même du dégât. Aïe. Putain, 7 points de vie. 7 points de vie.
On bat en retraite. Mais non, il faut venger Prompto, bordel. T'as rien compris, toi. Tu n'as rien compris. Allez. Il faut recharger un peu les points de vie qui sont au plus bas, là. Prompto, là, il est en train de vomir. Inis aussi, il est en train de crever. Allez, c'est bon. Eh merde, je veux juste me recharger mes points de vie. Quoi. Il y en a deux qui sont presque morts, ça fait chier quoi. T'as besoin de toi, Gladio. Allez, plus qu'un! Assaut Eclipse! Too easy! Oh, putain! Oh merde, Prompto il a regagné. Oh merde, Prompto il a regagné le pauvre. Bon bah pas d'XP pour toi Prompto, je suis désolé. Oh putain les crabes. Ah c'est la dure loi des RPG Prompto, si tu meurs tu gagnes rien. C'est comme ça. Sérieux. Putain, on a plus de vie quoi. Foutez-nous la paix les crabes de merde. Putain, y'en a trop là. Hey Nice, on se remet. Les gros crustacés n'ont pas de goût, pour ça que t'es furax. Voilà. Eh bah putain. On va pouvoir faire notre rapport à l'informateur. Bah alors cette quête c'est pas qu'elle est... Enfin, comme toutes les quêtes de chasse en fait... Comment je pourrais dire, quand t'as plusieurs mobs, ce qui est dur, c'est qu'ils sont nombreux, quoi. En 1 contre 1, enfin, 4 contre 1, entre guillemets, tu les défonces, quoi. C'est ça qui est dur, en fait. Le fait de faire en sorte que ce soit ordonné et pas le bordel, sauf que là, c'était le bordel. Prompto, il est mort comme une merde. Inis, il a failli y passer aussi. Gladiolus, lui, on s'en fout, c'est le temps qui mourra jamais, je pense. Là, j'aurais voulu pêcher un peu, moi. Améliorer un petit peu mes compétences. Vous voulez pas manger, les gars? Ça commence à faire quelques jours que j'ai rien eu à manger. J'en peux plus, je suis en train de mourir. Et là, on va pêcher un petit poisson. Et si je me rappelle comment ça fonctionne. Alors.
Oh non! Oh putain, merde! Ah, oh, c'est con. Putain, c'est super dur. Bon, on va en chasser un que ce sera plus simple. Il y en a un gros là. Ne rigolez pas, oui, je suis très concentré pour cette pêche. Je te tiens, foiré. Il a intérêt d'être gros. Ah, c'est quoi ce machin? Revenant lanterne. Ah, cool. Je le connais pas celui-là. Parfait. Nocto. Ta ligne est sur le point de casser. Ah bon? Et bah voilà. Putain, mais il y a un truc bleu là, je sais pas ce que c'est. Le point bleu, je sais pas ce que c'est. Allez, viens, regarde le poisson, regarde! Ah, enfoiré. Tant pis, je vais aller pêcher un poisson, je suis sûr d'obtenir. Prompto, t'es en train de me niquer toute ma pêche. Putain, tu fais chier. T'es en train de pêcher, t'étais là. De la patience, de la patience. Hé, hey, Noct, tu m'aides ton cul, les fins. Putain, mais oh. Quelle dissidence, bordel. Regarde. Eh. Ouh, il y a de la tension. On relâche. On remet. On met un peu de mou. Hop là. Tu vas rester avec papa. Lâche un petit peu la tension. C'est bon, il est à moi. Ah, pas mal. Carangue géante. Parfait. Allez, arrêtons de pêcher. Ouais, j'avais envie de pêcher un petit peu. Ça faisait longtemps. Enfin, depuis hier soir, mais ça faisait longtemps pour moi. Allez, hier soir c'était il y a très longtemps. On va aller rendre compte de la quête. Ah bah Pronto, je suis désolé, hein, tu vas être le faible du groupe. C'est décidé, c'est comme ça, hein, maintenant c'est acté. Bon, en même temps, c'est pas comme si... Notre communauté a besoin de vous pour la protéger. Rendez-vous au resto et prenez part à la chasse. Quoi ce machin? Ça a l'air de se faire produire un crocodile. Je pense que c'est un truc tellement fort que je... Ça va être de niveau 20 ou quoi.
C'est vrai que c'est très haut niveau 20. Le gourmet de Vanat. Je vais aller faire mon rapport. Ensuite, je vais aller au campement. Je vais aller au campement de la plage. Puis on va voir ce qu'on fait. J'ai pas envie de partir maintenant. J'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à faire. Content de voir en vie, précise, en vie. Ah, putain, j'en ai chié. Lui, il est mort. Le blond, là, il est mort comme une merde. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Oui, j'ai besoin de le préciser, bien sûr. Ah, t'as le droit de faire la gueule, Bronto. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Venant de toi, je sais bien ce qui me ferait plaisir, mais... tu voudrais sûrement pas. Alors, eux, par contre, je risque de vraiment pleurer. 7 trucs comme ça. On va essayer. Ça ne tente rien. Ah, c'est sympa de crever pour nous. Ouais, il va faire nuit dans pas longtemps, ça sert à rien. Puis on va finir de pêcher encore un peu et il fera bien nuit à ce moment-là. J'imagine que c'est exactement voilà, au même endroit où j'ai tué les crabes. Pourquoi se faire chier? Merde, du coup j'ai pas regardé le... Oups. Du coup j'ai pas regardé ce que c'était ce machin de crocodile là. Enfin... Ce qui ressemblait à un crocodile, ça se trouve ça en est pas du tout un, mais... Je voulais regarder en fait... Allez, j'ai pas encore tué ta bête, hein, j'ai juste de... Ah, c'est ça. Démon marin. 0 sur 5. Il y en a 5, c'est niveau 28. Putain de merde. Ah, vous me demandez des trucs. Bon, je vais affronter des gobelins. Qu'est-ce qui peut niquer des gobelins? Parce qu'il me faudrait... J'ai pas de sort de magie sur moi, là. Je verrai sur le tas. Je pense un petit sort de feu, là, histoire de les brûler bien comme il faut. Ça devrait... Ça devrait leur faire du bien, ces petits cons. Bon... Pronto, il a récupéré un peu de vie. Bon, et il récupère tout doucement. Il récupère. Allez, le temps qu'on aille là-bas. Ouais, il y a encore un peu de temps. Ah non, c'est plus loin. Ah, oh, lui, j'ai jamais regardé ce qu'il avait. C'est que des trucs que je peux trouver, quoi. Pff, arme à feu. Un pot pourri. Eh, prochaine, mon gars. Du coup, c'est où? Ouais, c'est là. La mer des perles. Ah, je vais pouvoir aller ramasser ce qu'il y a là-bas. Même pas besoin d'aller pêcher, tu parles. Le temps que je ramasse les trucs, hop. Ce sera peut-être l'heure. Il doit y avoir un trésor. Ah ouais, mais le trésor... Hé hey, il est là-haut, le trésor. Allez, Noct. Oh, putain. Dans Skyrim, c'était plus simple. Yes. Alors, où il est, le trésor? Chevière dépaysage, j'en ai déjà une.
J'ai aucune envie de me battre contre ces gobelins, j'ai tellement peur du résultat. Ah ouais, non, là j'ai vraiment peur du résultat. Ben ouais, je sais que ça sort que la nuit, mais tu vois, il va faire nuit là. Ah, j'aurais franchement le temps d'aller pêcher en fait. Je me demande si la nuit, t'as des poissons différents. Putain, faudrait tester. Ce serait énorme. Genre la nuit, t'as des poissons, tu sais. Ce qui serait illogique, mais... Ah, il y a un truc là. Parfait. T'as un copeau de fer sur la... dans le sable. Sympa les mecs. Déchets, tout ce que tu veux. Et on va voir s'il y a un poisson différent. Il y a que des points bleus là. Bon, rien du tout. Genre il s'est désintéressé comme ça, il a fait hop. Oh, oh non. Bon là y'a rien. T'as super dur à avoir ces machins. Putain mais oh. Non. Ah. Allez, mort à l'hameçon, mort à l'hameçon. Allez, fuck that shit! Les points bleus, c'est des poissons ultra chiants à récupérer. Ouais. Ah, tiens. C'est quoi ça? Ce qui mord à la côte de Vanath. Carangue géante, carangue de Galdina. Et plus encore! Ouais, j'ai pêché un autre truc. Bon. Allez, on sauvegarde juste là. Et on prie pour que ça se passe pas trop mal. D'accord. Les trucs qui sont ultra résistants. Hop là. Oh merde, ce massacre. Putain, le mec il vient encore me frapper quoi. Ah bah maintenant j'ai plus du tout de vie max quoi. Comment on va faire? Yeah.
Oh! C'est pas une grande réussite, hein! Oh! Oh, mon premier game over! Bon, bah, comme quoi j'ai bien fait de. Ouais, de sauvegarder avant. Oh bordel! Je m'attendais à une raclée. Pas une raclée aussi. Aussi moche. Mais ouais, bon, ok. D'accord. Eh, bah pourtant, tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que on a que deux niveaux d'écart. Deux niveaux d'écart, c'est. Dans un RPG, c'est que dalle, deux niveaux. Et pourtant, il m'a botté le cul, quoi. J'ai l'impression que dans ce jeu, soit tu dégommes en 2-2 ce qu'il y a en face de toi, soit tu te fais dégommer en 2-2. Je sais pas, le juste milieu, il est quand même vachement... Ouais, vachement dur, quoi. Du coup, on va aller annuler cette quête, là, ça sert à rien. Oh, pff, on peut la laisser, allez. Mais, oh non, on va l'annuler. Bon, on verra. Pour l'instant, on s'en fout. On va aller se reposer... à notre campement pour manger un morceau. En fait, c'est ça, cette fumée, ça indique les campements. D'accord. Ah, j'étais pas sûr. Ah, quelle belle météo. Ouais, bah, il fait nuit, quoi. Allez, les gars, campement. Bon, Gladio, j'imagine que y a pas plus d'entraînement. Ah bah putain, on en a des trucs. Hein. Allez, alors tu nous cuisines un truc, mon gars. Cuisine-nous un truc vraiment bon, là. Oh! Sandwich de carnivore! T'as un sandwich, quoi! Et ça, c'est quoi? Brochette du chasseur du désert. Viande de nez et poivre. Ah. D'accord, lui, il est sur tous les plats, lui. Ah, tiens, Gladiolus, il aime bien ça. Ok. Il n'y a pas encore le plat préféré de Noctis ou d'Inis. Ah, faut bien qu'il ait un plat préféré. Ah, je sais pas, un ragoût, des brochettes. T'as la plage et tout, brochettes. Ça passe. Allez, brochettes. On va faire plaisir à Gladiolus. Ta-da! Ah, on met les petits plats dans les grands, là. Putain. On gagne rien en XP, putain. Faut vraiment que j'aille dans une autre zone. Là, mais ce sera pour la prochaine fois. Pêcheur débutant. Yes. Elle est belle, celle-là, putain. Bitch! Ouais, pas mal aussi. Putain, on l'aime, cette plage, bordel. Oh, on l'aime, cette plage. Que des belles photos, quoi. Sérieux. Ah. Dommage, on voit pas grand-chose. Putain. Hein. Putain, classe, elles sont de mieux en mieux ces photos à lui. まったく風景が違うな。おっとと。あ。うん。違うね。野獣も死骸もいるし。危ねえ場所だらけってのが本来の状態なんだよな。障壁やクリスタルがないとこうなんだね。それだけじゃない。陛下のお力もな。 分かってはいたが、偉大だ。ノクト、
Point barre. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est génial. On s'arrête là où on a commencé la session. Il y a plein de crabes. Oh putain. Écoutez, c'est là qu'on va s'arrêter. Je vais aller faire un petit peu. Encore pas mal d'exploration là, je pense. Ouais, ça me fera un petit peu la fin d'après-midi comme ça. Je vais faire un petit peu d'exploration. Peut-être pas tout revisiter, mais revisiter un bon paquet de trucs. Remettre de l'essence dans la bagnole, tout ça, tout ça. Et puis bah après, pour la session prochaine, on va enfin partir d'ici. Alors je sais pas si ça va attaquer le chapitre 2, je pense, je sais pas. Mais voilà. Parce qu'au bout de 9h40 là de jeu, ce serait quand même pas mal. Ce serait pas mal. Ah là là, bon, tu me fais chier la pro. Oh putain, on peut le pousser. Vas-y, dégage. Putain, pousse-toi. Allez. Allez. Allez, on pousse. Putain, ah, il tombera pas ce con. Bah, elle est déjà montée, c'est beau, hein. Putain, mais arrête de te coller à moi. Arrête de te coller. Est-ce que tu es obligé de me coller comme ça, Panto? Non, alors. Putain, voilà. Sur cette magnifique vue. Est-ce que vous êtes obligé de venir sur le cadre là? Voilà, vous voulez une photo? Voilà, faites une photo. Putain, il y en a qu'un qui me respecte dans ce groupe, hein. C'est incroyable quoi. Ok, bon bah. C'est ça, barrez-vous! J'ai pas besoin de vous, j'ai besoin que de Pronto. Voilà. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette session, cette nouvelle session de Final Fantasy XV. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un énorme pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur ce jeu, qui est absolument magnifique. Allez, salut. And don't forget to taste the booyah!